chaud. Bonjour, 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 bonjour. Partagez le direct, par exemple. Bonjour, 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 partagez, partagez, partagez. Désolée encore pour hier. Hein. J'ai eu un contretemps, donc je n'ai pas pu faire le direct que je devais faire hier. J'ai eu vraiment un contretemps. On remet ça même à samedi, non? Comme ça, samedi, vous êtes à la maison tranquille. Ou même demain soir. Hein? On va mettre ça demain soir. Vendredi. Partagez le direct, s'il vous plaît, merci. Coucou mon bébé d'amour, mon beau-fils à moi. Doudou! Mmh. Bisous. Doudou, bisous. Partagez, je vais un peu secouer un peu là. Partagez. Je vais faire un peu la genèse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient vite. Ils oublient. Je vais mettre ici, ici, là, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Partagez, je vais un peu bouger là. Et quand ça les arrange, c'est ce qu'on appelle le karma. Il faut croire en ça. Vous connaissez ce que je prépare? Vous connaissez ce que j'aime? Est-ce que j'ai deux nourritures? Vous connaissez ma nourriture? Vous connaissez la nourriture que j'aime, non? Partagez! On va parler pendant que je vais pas manger. Il a mis la viande au feu. Pourquoi on se mange? Je ne sais pas si on mange la peau de sein. On n'est pas mal à tout ça. Vous connaissez le poisson-ci? Le poisson-ci, ça vient du Congo. C'est ma grande soeur qui m'a donné ça. Le poisson-là, ça vient du Congo. Allez, jette-moi la peau. Je mange pas la peau. Bien sec. J'ai suivi... Bonjour déjà à vous, bonjour à tout le monde, bonjour à TKC, bonjour à tous ceux-là qui me suivent. J'ai suivi, je suis ces jours-ci là, vous savez qu'il y a une actualité qui se passe en ce moment sur la toile, hein, qui concerne ma copine Fleur de Lille, et tout le monde compatit à sa douleur. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout le monde compatit à sa douleur. Personne
Même son pire ennemi ne pourra pas souhaiter ça, quoi. Donc, nous tous, on montre notre soutien à notre façon. Mais il y a certaines personnes qui profitent, d'accord, de l'occasion pour se permettre de parler à des nobles personnes. Je vais dire que Facebook, vraiment, a mélangé beaucoup de personnes. Vous savez, quand des personnes viennent vers vous au départ, vous ne voyez pas les intentions de ces personnes. Vous voyez ces personnes venir en vous léchant les bottes. Ces personnes vous montrent que non, vraiment, je vous aime. Oh, vous êtes, et vous prend comme Dieu. Parce que, en fait, ces personnes viennent par rapport à quelque chose. Et quand ils finissent peut-être d'avoir ce qu'ils ont voulu, ils se retournent contre toi parfois. Je vais parler ici comme ça à Élise Battante. Parce que tu as tendance à vouloir faire genre, comme on dit qu'on ne te calcule pas, on ne te répond pas. C'est parce que parfois on dit, non, on va être déçu. C'est quelqu'un qui veut vraiment, qui cherche une autorité. Mais ta façon de chercher la notoriété, tu t'y prends vraiment très mal. Tu ne peux pas te permettre, d'accord? Tu es arrivé sur les réseaux sociaux hier. Donc quand nous, on va venir parler sur les réseaux, tu vas venir après nous. On est d'accord. Quand tu te permets de venir parler, d'insulter la femme de Jean-Luc Messant, d'insulter Jean-Luc Messant, pourquoi vous êtes souvent comme ça là? Avant de te lever un matin, hein, prends une glace, tu mets devant, tu te regardes avant d'aller insulter ton adversaire. D'accord. Quand tu regardes la femme de Jean-Luc Messant, si ce n'est pas les réseaux sociaux qui nous mélangent, si ce n'est pas les réseaux sociaux qui viennent nous mélanger, quand tu regardes la femme de Jean-Luc Messant, ma chérie, de toi en moi, tu vois que tu vaux la femme de Jean-Luc Messant. Jusqu'à ce que tu fais tes directs, tu prononces mon nom. Tu n'as pas honte quand tu prononces mon nom dans ta bouche. Que tu... Quand tu prononces mon nom, jusqu'à ce que tu dis compresseur. Pour moi, tu n'existes pas. Mais je ne comprends pas pourquoi tu fais tes directs, tu prononces compresseur. Vous oubliez très vite. Vous oubliez que quand la femme de Jean-Luc Messant était enceinte ici, des enfants sacrés, comme on les appelle chez nous en Afrique, des jumelles, vous avez vilipendé cette femme-là ici sur la toile. Le karma existe. Le karma. Vous avez vilipendé cette femme-là ici. Elle était à un doigt d'accoucher, comme pour vous, était à deux doigts d'accoucher. Pour nous, là, c'était à un doigt d'accoucher. Et tant même sur le lit d'hôpital, quand je pense à ça, j'ai envie de couler les larmes. Quand je pense à ça, que la femme autrui a un accouchement difficile, les gens sont en train de prier qu'elle meure sur la table. Vous parlez de quoi même? Qu'est-ce que vous racontez même aux gens? Qu'est-ce que vous parlez même souvent sur la toile? Vous venez souvent parler pour vous faire voir. Juste pour des vues. Vous venez vociférer n'importe quoi sur la toile. Tu sais ce que c'est que l'accouchement, toi, Élise. Tu sais ce qu'on appelle l'accouchement. Combien de fois encore un accouchement difficile quand on dit que des jumelles qu'elle accouchait pendant qu'elle était dans le lit d'hôpital. On l'insultait matin, midi, soir. J'ai fait un direct ici pour dire que mon frère, quelqu'un a encore le sang dans les fesses. Vous continuez toujours à l'insulter. Qui est venu dire que laissez la femme de Jean-Luc Messant? Qui? Qui? Vous avez entendu cette femme-là un jour parler sur la toile? Vous avez entendu un jour la femme de Jean-Luc Messant venir parler sur la toile? Vous l'avez entendu un jour tousser même sur la toile? C'est une femme qui est toujours joyeuse, toujours souriante. Si ce n'était que cette femme-là, les Camerounaises devaient être les femmes respectées dans le monde entier. Parce que c'est une femme qui connaît la valeur de la femme et de son prochain. Tu viens t'asseoir, Élise Battante, de quel droit tu viens t'asseoir jusqu'à tu te mets à insulter Jean-Luc Messant, tu insultes sa femme. De quel droit? C'est un écran, ce n'est pas un écran. C'est un bassin. On n'a pas besoin de toi. Ne viens plus nous insulter. Tu m'as insulté ici parce que tu voulais l'amitié avec Flore. La honte pour toi aujourd'hui, je suis avec Flore comme ça. Et quand tu veux parler le dossier de Flore, Flore ne t'a pas envoyé parler de son dossier. Flore n'a pas besoin de toi. Tu as compris? Flore n'a pas besoin de toi. Ça, je te le dis.
Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Tu as vu Flo faire ses directs et prononcer ton nom. Flo n'a pas besoin de toi. Donc quand tu viens insulter les gens, ne viens pas profiter du dossier de Flo pour insulter les gens. Quand tu veux insulter, va insulter une place. N'amène pas le dossier de Flo pour venir insulter les gens. À quel moment tu nourris ton bébé? À quel moment tu donnes le sang à ton enfant? À quel moment ton enfant prend la chaleur maternelle? Tu es sur les réseaux sociaux pour insulter les femmes, pour insulter les hommes, pour insulter les gens. Tu crois même que Élise m'attend, tu es quoi? Tu crois que tu es quoi? Tu m'as tendu la main ici. J'ai parlé à toi et Tata Aline. Je t'ai jamais rien demandé. Je partageais tes choses parce que je voulais te lancer. Je suis comme ça. Je voulais te lancer. J'ai vu que tu étais une femme affamée. Donc quand tu venais insulter Flore, c'est parce que tu voulais la visibilité. Mais je vais te dire un truc. Tu n'as pas la malbouche plus que tout le monde. Si on dit qu'on ne te calcule pas, c'est parce que tu n'existes même pas. Pour nous, tu n'existes pas. Tu ne sers à rien. Mais laisse-moi te rappeler un truc. Quand tu viens dire qu'on n'a pas pitié de celle-là, quand tu viens dire qu'on n'a pas pitié de la femme du Beausailleur, eux, ils ont eu pitié de Madame Essang quand elle était enceinte, quand elle était à un doigt d'accoucher, viens me dire, viens me répondre parce que tu es forte pour ça. Tu aimes bien ça parce que tu n'as pas le temps pour aller donner le sang à ton enfant. Tu as le temps pour venir sur Facebook parce que tu veux aussi entendre qu'on t'appelle aussi une blogueuse. Mibi, blogueuse de quoi? Dans les bêtises. Tu ne fumes plus le poisson. Tu ne fumes plus la viande. Concentre-toi sur ce que tu as choisi de faire. Arrête de venir insulter les gens à tort et à travers. Quand la femme de mes sens se faisait vilipender ici, on faisait les posts sur elle tous les jours. Cette femme était en train d'accoucher. Elle pleurait, elle priait. Si ce n'était pas une croyante, c'est que soit elle, soit ses enfants sont restés sur la table d'accouchement. Vous venez me parler quoi, moi, aux gens même? Qu'est-ce que vous parlez souvent aux gens même? Vous oubliez trop vite, hein? Vous oubliez trop vite. Parce que vous êtes toujours comme ça que quand on est calme, quand on vient répondre, c'est que nous sommes les haineux. Flo vit une situation délicate en ce moment. Il ne faut pas venir insulter le couple Messang en profitant de la situation, du problème de Flo pour venir l'insulter. Il ne faut pas profiter de la situation. Ne profite pas du dossier de Flo. Alors si tout le monde est libre de parler du problème de Flo, c'est sur la toile. Quelque chose qui concerne la toile, on parle. Vous avez vu, j'ai parlé du problème de Flo une fois. J'ai vu que Papy de Longchamp est sur le dossier et il s'en sort très bien. Je suis de côté. Moi, je ne suis pas une suiveuse. Je ne suis pas le genre que ici on parle, demain là on parle. Non. Il y a quelqu'un qui a déjà pris le dossier en main, qui est Papy de Longchamp. Alors, Papy de Longchamp a le dossier en main. On le suit seulement là-bas. C'est tout. Pourquoi quand c'est le couple Messang, vous venez ouvrir vos seins, vos machins que vous avez là, vous venez parler, que vous avez les seins là. Arrête ça. Élise Battante, arrête ça. Moi, je suis poli, je t'appelle par ton nom. Moi, je ne veux pas t'appeler comme tu m'appelles Gringa, machin, comme prépute, machin là. Toi et moi, on n'a jamais été amis. On ne s'est jamais discuté. On n'a jamais eu un problème. Tu es venu sur la toile m'insulter. Tout le monde a vu. Parce que tu es à la conquête de la visibilité. Si on te demande que tu avais insulté compresseur par rapport à quoi, tu vas dire que tu m'as insulté par rapport à quoi? Et si on vient te demander aujourd'hui, tu insultes le couple Messang par rapport à quoi? Tu vas dire que quoi? Parce qu'ils ont parlé le problème de Flore. Tu es ridicule, ma chérie. Tu es ridicule. Pourtant, tu te dis que viens, aide-moi à détester. Ce n'est pas comme ça qu'on fait le aide-moi à détester. D'accord? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tu es sur tous les dossiers. Dès qu'on parle des histoires des blogueuses de l'État, tu es dedans. Dès qu'on parle, tu es partout. À quel moment tu donnes ta chaleur? La chaleur, là, à ton bébé. Parce que c'est maintenant que l'enfant a besoin de ta chaleur. Sentir ton corps. C'est-à-dire, être toujours avec ton enfant. Les minutes que tu passes là pour venir faire le direct ou insulter le couple Messang, tu pouvais donner ça, consacrer ça à ton nouveau-né. Tu as un nouveau-né. Tu as un nouveau-né. Comme il faut que maintenant, quand on vient faire les directs, on doit faire les genèses. On doit faire la genèse. Et détrompe-toi. Le couple Messang n'ont pas besoin de l'amitié de Flore. Ils n'ont pas besoin de son amitié. C'est des gens qui n'ont pas besoin des amitiés même. Ils sont très méfiants. Laisse-moi te le dire.
Et s'ils sont venus parler du dossier de Flore, c'est parce que Flore fait de la peine. On a abusé d'elle. Et personne ne peut être indifférent à cette histoire-là. Tu te permets de profiter de la situation pour venir ouvrir ta bouche comme le Saint-Pangé pour venir parler à Star. Quand tu te regardes là, tu vois que tu vaux Star, toi. Tu vaux Star parce que c'est les gens qui n'aiment pas montrer leur bien, qui n'aiment pas montrer leur vie, montrent ce qu'ils veulent vous montrer sur les réseaux. C'est vrai ce qu'on dit que les réseaux nous ont mélangés. Quand tu regardes Star, tu vaux Star. Tu l'attends. Quand cette femme mourait ici, elle était presque mourante sur la table d'accouchement. Est-ce qu'elle est venue parler de ça sur la toile? Elle est un jour venue parler de ça sur la toile? Elle n'est jamais venue parler de ça sur la toile. Mais nous, là, les proches, là, on sait que pendant qu'elle était sur la table d'accouchement, elle était entre la vie et la mort. Ce n'était pas une croyante. Si ce n'était pas qu'elle vient d'une famille, les deux côtés, le mari et la femme, si ne venaient pas des familles des croyants, elle pouvait rester sur la table. Aujourd'hui, quand c'est pour vous, vous venez dire que deux doigts d'accoucher. Pour elle, elle était à un doigt. À un doigt. Les enfants étaient en train de serrer pendant que tout le monde serrait les fesses. Les gens faisaient les postes sur eux. Les enfants aussi là-bas qui combattaient. Vous venez vous asseoir aujourd'hui. Franchement, Élise Battante, franchement, j'avais déjà dit à la TKC, mes TKC sont là. J'avais dit que toi là, je ne vais jamais te prononcer. Combien de fois tu m'as insulté, je n'étais pas calculé. Mais c'est qu'aujourd'hui là, ça m'a fait comme ça là. Ça m'a fait comme ça. Il y a des gens sur la toile que, comme là, je te dis, comme j'ai vu ma fille Nancy disait que si tu venais là-bas au truc, moi je n'allais rien te faire, moi j'allais te snobber. Hey! J'allais te snobber. Tu as compris, non? J'attendais que tu viennes là-bas là. La façon que j'allais te snobber, oh, tu allais confirmer que je suis une vraie fille bassa. Tu allais confirmer que je suis une fille bassa. Une pure. J'allais te snobber parce que moi je suis comme ça. Moi je ne suis pas dans vos games de Facebook. Je ne suis pas dans vos games. La preuve en est que quand j'étais en guerre, c'est avec Flore. Nous sommes allés jusqu'aux mains. C'est pour dire que je ne suis pas, moi je ne suis pas dans les games. Faites vos games. Laissez mes familles tranquilles. Faites vos games à vous. Vous qui aimez les games. Vous n'avez jamais vu la femme, les gens lui me semblent, il fait les games avec vous. Et toi, Mbongo, il dit sale chose qu'il ne peut pas te laver là. Je vais aller chercher un vase. Si c'est le cristal, si c'est quoi que tu as dit qu'on a cassé chez toi. Et les sols, c'est les sols que tu veux. Ils vont acheter. Même j'en ai ici même. Quand on parle des sols, cette petite pouf. Ta sole était même gros comme ça. Est-ce que ta sole était gros comme ça même? Hein? C'est la sole. Tu es au niveau de la sole. Après tous les piments que tu vends là, quand tu as derrière, devant, partout là. C'est la sole, tu pleures. Tu pleures la sole. Je vais aller là-bas là chez eux. Moi, je vais aller te montrer que Jean lui me s'en est pas un enfant. Je vais aller là-bas. Ils vont me donner l'argent pour acheter la sole. Ou alors, on va acheter la sole. Je vais partir déposer quelque part. Je te dis de venir prendre. Si tu ne prends pas, ça va pourrir là-bas. Pauvre fille. Tu viens pleurer que, oh, le cristal, regarde-moi ça. Tout ça, c'est ma faute. En temps normal, tu vois que ces personnes-là pouvaient venir chez toi? Si ce n'est pas moi qui les amenais là-bas, là, tu allais les connaître où dans la vie, toi? Même Antoine Bachot, tu allais connaître Antoine Bachot un jour dans ta vie? Si ce n'était pas grâce à moi? Tu as une vraie copine, toi? Montre-moi ta copine d'enfance. Montre-moi une de tes vraies copines. Même toutes les filles qui t'ont amené dans le piment, toutes même aujourd'hui, elles ont peur de toi. Tu ne parles avec personne. Toi, tu veux t'asseoir aussi, tu veux aussi pas. Regarde-moi celle-là, qui ne se lave pas. Comme Ngombongo Indi. Dis-moi merci, tu as connu un homme propre dans ta vie qui est Antoine. Merde. Les gens restent tranquilles. Ils se disent que c'est parce qu'on a trop peur. Quand je t'appelle ici. Excusez-moi deux secondes. Dis-moi. C'est bon, hein?
100 000, hein? Ok, je vais lui dire merci beaucoup, vraiment merci. Merci. Je ne peux pas prononcer le nom, Il m'a dit merci comme il s'en dirait. Non, il ne prononce pas le nom. T'inquiète pas. Nous, on ne fait pas les choses pour se faire voir. Merci, mon bébé. Merci beaucoup, vraiment. Que le Seigneur te rembourse au centuple. Que comme c'est sorti là, que ça entre encore. Oui, je suis en direct. Je finis, je t'appelle. Oui. Si on envoie seulement un peu comme ça là, ça va l'aider. Hein? Voilà mes gens qui sont en train d'envoyer. Toi, tu es là, tu viens t'asseoir. Tu insultes. Tu aimes trop le front, non? Toi, tu as dit qu'il faut que... Il faut aller l'envoyer quelque chose. Voilà, ça, on m'appelle pour me dire que mes gens sont en train d'envoyer. Va aussi envoyer quelque chose. Ne viens pas t'asseoir, tu insultes le couple, mes sang. Ne viens pas t'asseoir pour insulter seulement le couple, mes sang. Elle a besoin d'aide en ce moment. Elle n'a pas demandé de l'aide. Les hommes de bonne volonté qui ont envie de l'aider, l'aide. Ça, ce sont mes gens qui me disent que, bon, moi, j'ai déjà envoyé pour ma contribution. J'ai les gens qui m'ont promis qu'ils vont envoyer. Tu viens t'asseoir, tu parles du couple, mes sang. Tu parles de ça, mes sang. On dit, tu es présidente d'une réunion. Hein? C'est toi qui dois rembourser l'argent. Alors, qui dit ton mari, dit ta femme. Qui dit ta femme, dit ton mari. C'est un couple de voleurs. Ils ont volé, ils ont escroqué, ils ont arnaqué. Oui. Pour se faire voir sur les réseaux sociaux. Pour faire venir les stars, les grandes stars. Les stars, même, ils ne payent pas comme ils payent les étrangers. Bien, bien fait pour vous. Dieu merci, vous avez bien accouché. Que le Seigneur vous accompagne. Et qu'il bénisse ce bébé-là. Il n'a rien demandé. L'enfant n'a rien demandé. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Mais on n'a pas pensé ça. Quand ma belle-sœur était entre la vie et la mort, entre le maître des jumelles, des enfants sacrés au monde, sur la table d'accouchement, s'il n'y avait pas sa Bible, on ne serait pas en train de parler d'elle aujourd'hui comme on parlait là. Venez vous asseoir. Avec vos bouches de saleté. Flore n'a pas demandé que vous venez clasher quelqu'un à son nom. Non, elle n'a pas demandé. Parce qu'elle-même, c'est une clasheuse. Quand elle veut clasher, clash. Elle n'a pas besoin de votre secours. D'accord? D'accord? Donc, Élise battante, reste dans ton coin. Viens intervenir pour Flore, comme tu veux, à ta façon. Va lui faire un mandat. Va lui faire le mandat. Si tu l'aimes trop, comme tu l'aimes beaucoup. Tu peux imaginer qu'elle et moi, on devait être aujourd'hui ensemble comme on est là. On s'appelle tous les jours. Tous les jours, on s'appelle. Tu l'aimes trop, non? Tu l'aimes beaucoup, non? Tu as envoyé combien à son fils? Pour qu'on achète les fruits à la maman? Tu as envoyé combien? On t'assoit, tu parles, tu prends les manières, tu veux parler de Star Sang. Mais mon Dieu, dis donc. Quand je vois l'homme bongo, il me dit qu'il est comme ma poubelle-ci. Viens parler de ça, mais sans parce que Maléba perpétue les avoir amenés là-bas. Ouais, je regrette ce jour-là, Seigneur. Je regrette amèrement le jour que j'ai amené mon grand frère là-bas. Je regrette le jour que je vous demande pardon. Qu'on dit que l'amour, par amour pour moi, ils m'ont suivi dans le trou, dans la tombe. Par amour pour moi. Donc, ils ont commis un gros crime de me suivre là-bas ce jour-là. Ils ont commis un crime. Mais sache que tu auras honte. Tu auras honte, toi, Élise battante. Et toi, Mbongo, il me dit sale chose. Vous auriez honte. Voilà, je vous donne déjà la honte depuis. Voilà ça. Je vous donne déjà la honte. Vous aimez trop Flore. Moi, j'ai arrêté de parler de son dossier parce que c'est un chantier que moi, je pouvais parler de son chantier. Mais je ne parle pas de ce chantier parce que je ne suis pas la qualité là. Qui est sur tous les dossiers, non? Non? Il faut arrêter un moment. Même Tata Doudou a parlé du dossier là une seule fois, elle est quittée dessus. Tu as vu Tata Doudou s'attarder dessus? Parce qu'on sait que la concernée, elle-même, peut parler. On a donné notre point de vue. Hein? Tu te permets de venir parce que tu as mis les phares sur les yeux. Parler à une noble dame comme ça là. Une noble dame respectueuse. Tu as entendu un jour que Stam s'en a clashé quelqu'un sur la toile?
C'est quoi cette histoire-là? Quelle méchanceté! Des sorcières comme ça, là. Tu devrais comprendre que moi, je ne suis pas sur la toile pour insulter le premier venu. Non. Jamais. Tu m'as insulté ici, malgré qu'un seul jour, un jour seulement, j'étais encouragé dans ton commerce, que j'ai fait un poste. Un jour, tu n'as pas pensé à ça. Tu as pensé seulement que non. Ma faute. C'est comme ça que tu avais créé, sauf que tu n'avais pas créé. Tata Aline est témoin. Le jour que je t'ai pris au téléphone, tu as créé comme si tu avais vu Jésus. C'est vraiment compresseur. C'est vraiment toi. Tata Aline m'avait appelé pour lui dire que, wow, ma fille, il y a ta soeur là que machin. Humble que je suis, j'ai décroché, j'ai parlé parce que Tata Aline avait vu Tata Aline devant. Tata Aline m'a appelé plusieurs fois. J'ai dit à Tata Aline que oui, mais je ne prenais pas. Après, un jour, j'ai pris pour faire plaisir à Tata Aline. C'est comme ça que je me retrouve dans la merde parce que je suis venu te donner un coup de main. Tu m'as insulté pour rien. Pour rien. Tu m'as insulté. Parce que tu veux te faire voir. Dans quoi même? Tous les gens qui ont parlé du dossier de Flore, va les insulter aussi. Va aller les insulter. Flore même, si elle est honnête, elle peut te parler de ce couple-là. Ce n'est pas un couple qui ont, ils n'ont pas faim. Ils n'ont même pas un peu faim. Toutes les stars là, il a toujours donné. Toutes ces stars ont mangé l'argent de mes sangs. Si je manque, elle vient dire que je manque. Et je peux leur prouver. Moi, je peux leur prouver. Qu'elles ont mangé l'argent de mes sangs. Toutes ces stars de la toile. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, toi aussi, tu es ta soeur aussi, tu m'as aussi parlé. L'amour rattrape toujours, hein. L'amour rattrape toujours. C'est ce que j'avais dit ça à la petite. À la petite Natacha. J'avais dit à Natacha que toi, tu viens maintenant insulter mes sœurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit alors? Après qu'elle supportait le Bosailleur, aujourd'hui, après ce qu'ils ont fait là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne va pas regretter du fait qu'elle a insulté Messang. Elle ne va pas regretter parce qu'elle a fait une comparaison entre Messang et le Bosailleur. Maintenant, vous venez dire qu'on n'a même pas pitié parce qu'ils ont trop eu pitié de la femme de Messang. N'est-ce pas? Quand c'est pour vous, c'est trop bon. Quand c'est pour nous là, nous sommes les méchants, nous sommes les haineux. Œil pour œil, dent pour dent, et le karma. Voilà que ça tombe au moment où elle aussi, elle est à deux doigts d'accoucher. Elle était à deux doigts d'accoucher. Pour la femme de mes sens, c'était à un doigt d'accoucher. Et elle aussi, là, sur elle, c'est Mambalata. Pendant qu'elle aussi, elle a encore les fesses qui coulent le sang. Oui, vous voyez ce que ça fait. C'est ce que la même chose que la femme de mes sens a ressenti. Peut-être elle, on ne lui fait même pas du mal, là. On n'aime pas lui faire du mal, même. Là, c'est son mari qui peine les pots cassés pour elle. Venez parler, vous parlez souvent même qui même. C'est même quoi ça même? Les gens que quand tu regardes, que même les yeux fermés, mon grand frère ne peut même pas te regarder même. Venez parler à sa femme. Même la dernière, les derniers Ngandjumba, les derniers Ndjumba de mon grand frère, vous les atteignez? Les pauvres sales choses comme vous là. Vous avez un sujet de débat en ce moment, non? Vous avez un sujet de débat. Vous avez fini de dire que Bami, vous avez fini avec ça. On vous a donné un débat maintenant. Mais sachez que la concernée elle-même peut se défendre. D'accord? Donc toi et Mbongo Indi, sache que si la femme de mes sangs est un jour entrée chez toi, c'est Maléba. Elle n'est pas entrée chez toi parce que vous connaissez, non. C'est moi, par amour pour moi. Ils m'ont suivi dans mon trou pour me montrer l'amour qu'ils avaient pour moi. D'accord? Et tout ce que tu dis là qu'on a cassé chez toi, moi je vais aller là-bas là. Moi je vais te montrer. Si mon grand frère tente de dire que c'est là que vous entendez que je me suis gâté avec lui. Je vais aller là-bas, je te montre ce qu'on appelle le cristal. D'accord? Les machines que tu achètes dans le bon coin là, ce n'est pas ça. Hein? Tu vas voir ce qu'on appelle le cristal. De la porcelaine, tout ce que tu vas voir. C'est la seule que tu veux. Voici la seule. Comme tu as faim, tu pleures la nourriture, j'ai fait la seule. Voici la seule.
Voilà ça dans mon frigo. Moi qui n'allons rien, moi qui suis la plus pauvre de la toile. J'ai la seule chez moi. Pauvre femme. J'en ai parlé à ça, me sang. Regarde-moi la sale chose de Bongo Indi aussi qui vient s'asseoir, qui n'a pas lavé ses dents, qui fume jusqu'au tote. Elle vient parler à une noble, belle femme comme ça là. Elle est tout ce qu'elle est. Elle est pour son mari. Elle est prostituée, c'est pour son mari. Je ne sais pas à quel moment vous avez fait la prostitution avec elle. Je ne sais pas où vous vous êtes croisés. Si ce n'est pas Maléba qui l'a amené chez toi, tu allais croiser Star, mais sans ouf. Tu allais la croiser ouf. 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 Maléba. Ça m'apprendra. Toujours en train de prendre. Mon grand frère, allons à tel endroit. Mon grand frère, je viens avec elle. Je suis toujours en train d'amener, il est toujours en train d'embrasser. Parce qu'il veut me prouver son amour. Mon Dieu! Eh ben dis donc, les réseaux sociaux, c'est devenu la merde, c'est devenu n'importe quoi. Toi, Élise Batan, tu m'as insulté ici. Tu viens insulter Star aujourd'hui si on te pose la question que... Oui, bonjour mademoiselle, madame. Je ne sais pas si on peut t'appeler madame. Pourquoi est-ce que vous insultez madame Messan? Tu vas répondre que quoi? Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas répondre que quoi? Parce que ce sont des questions qui nous rattrapent. Hein? Parce qu'il ne faut pas appeler à mentir. Quand on va te demander que tu insultes la femme de Jean-Louis Messan, par rapport à quoi? Tu vas dire que tu l'insultes par rapport à quoi? Parce que tu veux la visibilité? Flore n'a pas besoin, d'accord, que tu viennes insulter les gens par rapport à elle. D'accord? Si tu veux soutenir le couple de Bozayeur aujourd'hui là, tu montres là ton visage. Comme Flore et Bamleke, tu veux y supporter le couple parce que c'est ton frère. Flore n'a pas besoin. Tu as compris, non? J'espère que tu as compris. Qui derrière le couple me sent? Si aujourd'hui je viens te répondre là, c'est parce que c'est de trop. D'accord? Allez demander au monsieur et sa femme qui ont escroqué Flore de rembourser l'argent de Flore. C'est tout ce qu'elle demande. Tu l'aimes trop. Tu l'aimes trop. Elle pleure là-bas au pays. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin d'argent. Tu as trop. Il faut aller l'envoyer l'argent. Il faut aller lui envoyer l'argent. Je n'aime pas quand les lions vont jouer comme ça. Je m'énerve. Ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Parce que on doit leur donner les ondes. Oui. Tu n'étais pas connecté. Si, tu m'as dit. C'est bon. Je suis en direct pour toi avec ton téléphone. Il dit qu'on ne prend pas ça là. Il dit qu'on ne prend pas ça. Je suis en direct. Mon frère, c'est quoi? Oh. Elle a deux doigts d'accoucher. Quand c'est pour vous, on doit respecter pour vous. Mais pour les autres, là, vous ne respectez pas. Vous ne respectez pas. N'est-ce pas? Élise Battante, faites, vous avez vos groupes de game. D'accord? Restez là-bas dans votre game. Tu as fait ton clash ici. Avec... celle qui t'a amené sur la toile. Personne ne s'est mêlé. Donc continue tes games. Cherche tes adversaires. Ta catégorie. Hein? Cherche ta catégorie de clash. Qui derrière ma famille? Qui derrière moi? Qui derrière moi?
qui derrière moi. Comme vous aimez toujours polémiquer, c'est pas la femme de mes sangs qui vend ça. Ce n'est pas elle qui vend ça. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle qui vend ça. Elle ne vend pas l'onjansan, hein. Tu as compris? Elle ne vend pas l'onjansan. D'accord? C'est pas elle qui vend ça. C'est pas ça que je bois ici. C'est mes polémiques. Oh, la sortie. 10 personnes. Machin. C'était privé. Nous, on n'est pas là le poulot, m'as-tu vu? Ils ont vendu énormément. On n'a pas besoin. Quand ils on n'a pas besoin de la foule. Tu es déjà allé chez Louis Vuitton? Tu es déjà allé dans le magasin à l'avenue Montaigne? Tu es déjà allé dans un magasin à l'avenue Montaigne? On s'en fout que ce soit machin, tout ça là. Tu es allé dans un magasin à l'avenue Montaigne? Tu ne peux pas connaître ça. Mais je te dis quand même, ces magasins de l'avenue Montaigne là, quand tu pars là-bas au magasin, ce n'est pas saturé. Mais va chez Zara, H&M. Boumaye, tu as compris? Est-ce que tu as compris? Comme pour vous, il faut la foule pour dire que tu as fait. Tu pars dans un magasin de luxe. Il n'y a que 3 clients. Ils font leur recette de la journée. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Il faut bien écouter ça. Parce que tu n'es que sorti déjà de ce que tu voulais dire pour venir maintenant parler de la femme de Jean-Louis Messang. Bon, tu avais envie de parler depuis. On t'a donné l'occasion. Le problème de Flore a donné l'occasion que tu viennes parler de ma belle-sœur. Mais laisse-moi te dire que quand tu arrives dans un magasin de luxe, d'accord, il n'y a pas de foule. Jamais il y a de la foule. Hein? Il n'y a pas de la foule. On ne se bouscule pas. Alors c'était une vente privée. Et chacun est parti. C'est quoi? Ils sont en train de préparer mon gombo. Les gens qui n'ont rien à faire de leur vie se lèvent le matin. Jean-Louis me sent. Ça me sent. C'est vos amis, non? Ce n'est pas vous, hein? Je ne vous en veux pas. C'est Facebook. C'est Facebook. On a donné la possibilité à tout le monde de venir s'exprimer sur Facebook. Alors. On va se mélanger les torchons, les chiffons, les serpillères. Les femmes vulgaires comme ça. Tu as vu ça, me sang? Ou bien moi, seulement la petite sœur de me sang. Venez faire des directs en caleçon. Moi si. Vous êtes des femmes sans personnalité. Élise Batan, tu n'as pas de personnalité. Quand je regarde celui avec qui tu es là, que tu appelles Marie, j'ai pitié de lui. J'ai vraiment pitié parce qu'un homme responsable, respectueux, un monsieur, tu as vu la femme de Jean-Louis Messang venir porter le caleçon pour venir faire les directs, pour clasher une femme par jalousie, pour rien, sans que cette femme ne t'a rien fait. Eh ben, pitiation, hein. Quelle pitié. C'est-à-dire, il y a certaines filles, quand là, vous nous souillez, nous l'aimons quoi. Vous nous souillez. Tu es venu avec ton gros caleçon noir. Et tes samara que tu as à la poitrine. Tu es venu faire le direct ici pour clasher Flore, non? Elle t'avait fait quelque chose? Parce que tu voulais la visibilité. Tu as entendu un jour que le pape est venu se mettre en caleçon pour se faire voir? Pourtant, j'ai des formes. Hein? J'ai des très, très belles formes. Hein? Eh oui. J'ai des très belles formes, ma chérie. Sur la toile, là, je ne vois pas qui a les mêmes formes que moi. Je ne vois pas qui a les mêmes formes que moi. Tu as vu la femme de me sang? Tu as vu comment la femme est belle? Hein? Tu vas la voir venir même seulement montrer le bout de son sang. Ou le tien. Et tu viens te mettre. Tu viens. C'est pas quoi c'est? J'ai parlé de toi aujourd'hui.
Il dit, avant souvent de venir vous asseoir pour insulter quelqu'un, regardez-vous. Élise Battante, regarde-toi. Regarde-toi d'abord. Tu n'as pas un noir entretenu. Ton noir là n'est pas entretenu. D'accord? Ton noir n'est pas entretenu. Tu as vu le noir de la petite Natacha, non? Son noir là est entretenu. Elle vient t'asseoir, tu mets les lampadaires comme pour moi, c'est sur les yeux. Tu viens t'asseoir, tu parles du couple, mais sans. Le président des Beaux-Ailleurs, tu as dit, parce que tu as mis ça, j'ai vu, tu as mis ça sur ta page, donc je te parle aussi à toi, d'accord? Si tu veux, tu vas encore me porter plainte, hoha. Va encore me porter plainte, mon président au Cameroun maintenant, il travaille au Cameroun maintenant, premier importateur de sardines au Cameroun, monsieur Raymond Tchengam. Ce n'est pas le Bebek, ce n'est pas le Bakebadjo, les hôtels, on a tout au Cameroun, on ne fait pas le tapage, on n'a pas besoin de faire venir. Les musiciens pour payer les bars, on dit quoi, 15, 17 000 euros, alors que tu as faim, tu es dans un HLM, tu as faim, aujourd'hui on sert ta femme pour 12 000, hein, 11 000, parce que 10 000, moi je ne veux pas dire dedans, pour 11 000, tu es incapable de venir dire que vous insultez ma femme, pourquoi, viens te chercher. Tu es incapable. Les gens viennent pleurer ici tous les jours. Tu es un escroc reconnu. Parce que un escroc comme toi, même tes collègues sont fâchés de toi. J'ai tes collègues qui m'appellent ici pour dire que ya, le type là nous a souillé. Ya, le type là nous a souillé. J'ai dit que c'est chaud sur lui. Vous voyez la façon qu'il parle, il tremble dans la voix. C'est parce qu'il est engagé mais mal en ce moment. Vous l'avez vu le début là. C'est parce que comme ils ont mis 5 noms, ils bouffaient les noms là. Il bouffait les noms maintenant pour venir faire les réunions, pour faire les, amener le piano. Il s'est allé amener le piano bas à la maison. Ah, tu vois, l'argent, mon Ibo. L'argent de qui? L'argent des gens. Vous n'avez même pas honte. Les gens travaillent la sueur de leur front. Vous n'allez pas amener ça au paradis. Rembourser. Pas au Cameroun, tu peux partager les 10 000. Tu crois que tu es arrivé? Quelqu'un qui a Boza, hein? Quelqu'un qui a Boza. Vous voyez d'abord quelqu'un qui a un teint noir, qui a abandonné la femme avec qui il a Boza. La femme avec qui il est venu sur en route. La femme qui a encaissé tout. Jusqu'à aujourd'hui, elle a un enfant métis à cause de lui. Il a régné, il a abandonné. C'est quelqu'un qui a un teint noir. Rien que par reconnaissance même. Il a abandonné un enfant là-bas en Suisse. Il a abandonné une fille. Il a une fille en Suisse qui le ressemble comme deux gouttes d'eau. La fille, là, sa maman est morte. La maman de cette petite-là est décédée. La maman de cette petite-là est décédée. Même ta femme est méchante. Elle pouvait récupérer cet enfant-là. Heureusement que cette fille a fait l'enfant avec un monsieur. C'est lui qui a récupéré l'enfant. L'enfant du Beaux-Ailleurs. Il a abandonné un enfant en Suisse. Il vient de s'asseoir là sur la terre montée qui sont les grands monsieur. Élise Battante, il faut lui dire, comme tu l'aimes trop, que nous sommes les jaloux là, il fallait récupérer son enfant qui est en Suisse là-bas là. Il a laissé l'enfant là-bas en Suisse. Et je viendrai parler de ça. Je viendrai parler de ça. Sache que maintenant, Élise Battante, tant que chaque fois que tu vas parler de mon grand frère, je veux parler de ton couple. Chaque fois que tu vas parler de mon grand frère, je veux parler de ton couple, des Beaux-Ailleurs. Voilà, c'est comme ça qu'on va régler ça. Ça, c'est quoi même? C'est quoi? Les irresponsables comme ça, là. Le karma, là, va te suivre. Ta faim, hein? Ta femme va être très moche. Ta femme va être moche. Toi, le Beaux-Ailleurs, si. Une femme. Une femme qui s'est sacrifiée sur la route. Qu'on lui a fait les ouais. Elle a vu que ton t'avait trop fait les ouais là. On t'avait trop, toi. Elle a dit que non, quand même. Je vais encaisser maintenant pour lui. Vous arrivez en Bengtime, elle a jeté. Parce que tu as vu. On a dansé le quoi, ça devant toi. Tu es tombé. Toi aussi, quand les hommes vont parler, tu vas aussi venir parler. Tu dis que tu n'es pas un voleur de 4 livres. Qu'est-ce que tu faisais en Espagne? Tu sais que je te connais, non? Tu sais que j'ai ton dossier, non? Je te connais, je connais ta vie en Espagne, non? Tu es un bon chaman, non? Tu as vu un gars de l'Espagne qui n'a pas fait dans le chat. Hein?
Les gars de l'Espagne, c'est le fait et le tchat. C'est maintenant que les gars sont venus dire qu'ils veulent travailler. C'est maintenant les gars qui ont compris que non. Même si tu fais le fait, il faut work. Parce qu'il faut assurer la retraite. Et quand par exemple, que fait, est-ce que toi tu fais le fait? Tu es un chouka. Toi tu peux faire le fait. Un peureux comme toi là, quelqu'un qui fait du pisse lui. Un homme, un vrai homme comme toi vient te parler. Vous, tu pisses. Est-ce que le Bozaé c'est un homme? Le Bozaé, quand un vrai homme se met devant lui comme ça, là, pourquoi là? T'as dit, quand vous voyez là, la carrue de mon grand frère, s'il vient se mettre devant lui comme ça, que boum, il peut parler. Il peut parler. C'est une femmelette. Les gens restent tranquilles, vous croyez que c'est trop parce qu'on a trop peur de vous, quoi. On n'a pas peur de vous. Moi, je suis resté tranquille. Élise va tenter, je suis resté tranquille. C'est parce que j'avais déjà promis à TK, c'est que ils m'ont dit que maman, pépé, pardon, ce mariage, non, c'est que tu es têtu. Celle-là ne répond pas, ne donne pas ta visibilité. Donc, ce que je veux faire maintenant, comme je t'ai répondu aujourd'hui, je t'ai parlé, je ne veux plus jamais parler de toi, je veux répondre à ton président maintenant parce que j'ai constaté que c'est ton président des beaux ailleurs. Et j'attends que vous partiez me porter plainte au Cameroun. D'accord? Et toi, Mbongo, il me dit, je veux voir un. Comme mon grand frère en vacances là, je vais prendre, je vais me sacrifier 2 jours, je vais aller là-bas. Je vais te montrer ce qu'on appelle le cristal. Tu pars au marché des Clignancourt là-bas là, tu pars au marché aux puces. Dans le bon coin, tu achètes les bêtises, les conneries déjà utilisées, tu viens faire ta belle devant les gens. Tu sais te laver toi, Mbongo Indi. Parce que Maléba t'a montré un jour ce qu'on appelait la marque. Malé va t'a montré comment est-ce qu'on met le parfum. Tu viens t'asseoir, tu parles d'une noble femme comme ça. Hein? Tu connais utiliser un savon de toilette? Tu sais faire ta toilette intime? On reste tranquille là, vous croyez que c'est trop parce que nous aussi on n'a pas la gueule. Nous aussi on peut s'asseoir, on fait les directs aussi pour insulter. Hein? C'est parce qu'on a dit que ça ne nous sert plus à rien. On peut s'asseoir, on a le temps aussi pour ça. Mais tout ce que je dis, c'est que ne profitez pas de la situation, du problème de Flore. Flore n'a jamais demandé de l'aide. Ceux qui veulent l'aider, l'aide. Mais en venant l'aider, n'indexez pas les gens. Si vous voulez aider Flore, allez, envoyez-lui quelque chose au pays. Ou alors envoyez qu'on achète les fruits à sa maman. Vous l'aimez trop. Un présent comme ça que tu as ta fille, tu cries chaque jour, c'est ma fille, c'est ma fille. C'est une honte depuis que la maman est venue ici. Même dit que non, faisons une surprise. Allons. Moi, quand mon grand frère a acheté la maison, je suis parti là-bas. Quand il a acheté la maison, je suis parti. C'est parce que je n'ai pas. Il est un peu. C'est parce qu'il est seulement trop loin de moi. C'est parce qu'il est loin de moi. Quand il a acheté ces 2 appartements, j'étais là-bas. J'ai filmé, je vous ai montré. Je vous ai montré. Il ne voulait même pas que je le fasse. Il m'a dit que laisse seulement les gens. Laisse les gens découvrir. Et j'aime, moi, j'aime le Japap. Mon grand frère est loin. Quand je parle, quand je vais aller chez Jean, lui me semble. C'est presque une demi-journée parce qu'il est du côté de l'Allemagne. Hein. Donc quand vous regardez ce monsieur-là, vous regardez l'intérieur de sa maison, c'est quelqu'un qui a faim. Celle-là là-bas, là, c'est qu'on appelle Mbongo Indi. Les cafards pleins dans la maison. Plein dans la maison. Tout ça parce qu'il veut faire plaisir à sa petite soeur. Sa petite soeur dit que non, je vous invite quelque part, mais non pas. Ils me suivent. Tu vois mon président Raymond Tchenga venir entrer dans une maison de quelqu'un ici à Paris. Mais ils sont entrés là-bas à cause, grâce à moi. Fais la rencontre entrer là-bas alors. Tu vas pleurer Antoine Bachot jusqu'à. Tu vas pleurer le type là. Tu vas pleurer Antoine Bachot. Mbongo, il me dit sale chose. Avec le tuyau, tu es obligé de mettre un peu le parfum. Même comme tu mettais le parfum, ça sent bon 5 minutes. Après, l'odeur est partie. C'est ce qu'on appelle les 10 battantes. Je ne sais pas. On ne sait pas à quel moment elle est avec son bébé. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne comprends pas. À quel moment elle s'occupe de son enfant, celle-là?
Ouais, c'est mon bonbon. Ne croyez pas que si on reste tranquille, c'est parce qu'on a trop peur. Nous tous, on a l'énergie. Nous tous, on peut prendre le téléphone, on pose et on clash. Nous tous. Donc, laisse-moi te dire que ma belle-sœur vend les produits. Voilà ça ici que je bois. Vous voyez comment ma peau est nette, nette. C'est ça. C'est ça que je prends. Je vous ai dit que quoi? Quand vous prenez une semaine. Le gombo. Ça a gonflé, hein. Ça a moussé. Nous devons enlever ça au feu. Le gombo du Cameroun. Bongo Yindi, voilà comment est-ce qu'on fait à manger à sa famille. Alors, nous parlons de la chambre de vendre, je vais les valises de papa. Viens t'asseoir, parler à la maman des jumelles. Parce que Maliba avait fait la faute. Le malheur, même celle-là qu'on appelle U. U est entrée chez toi par rapport à qui? Par rapport à moi. Elle est venue avec son bout de chou. Tu t'es mis à insulter. Le bout de chou qui n'avait rien demandé. Tu as commencé à insulter un enfant de moins de 5 ans. Tu as commencé à l'insulter. Toi, tu es quelqu'un, toi. Même dans les grèves, Jean Messant pouvait te dire bonjour. Il pouvait te dire bonjour, toi. Bien fait pour moi. Bien fait pour moi. Mon frère, ne te calcule pas. Tu es toujours en train de parler des gens. Donc, ils ne te connaissent pas. Tu vas parler te vanter que tu vas dire qu'ils ont mangé chez toi. Ils sont venus chez moi. C'est moi qui les avais invités. C'est pas toi qui les avais invités. Tu as compris? Parce que tu aimes la visibilité aussi. Tu aimes te faire voir. Mon frère, non mes frères, excusez-moi, avant de faire certaines choses souvent, faites d'abord, faisons un peu la genèse, parce que quand j'entends les gens sont en train de dire, celle qu'on appelle l'église battante qui est en train de dire, que le grand frère Jean-Luc Messant, je crois que j'ai mis ça ici, même parce que je devais, hier même aussi je devais passer dessus, le sujet que je devais parler normalement, j'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça. Le sujet que je devais parler, c'était je devais parler de la trahison. C'est n'importe quoi, ça sort. Voilà aussi ma fille, une de mes filles que j'aime bien. Elle aussi, elle fait le dire, mais non, elle dit que ta taline est mauvaise. Allô? Allô? Oui. Tata? Oui, tata, je sais. Oui, vous avez tous la même voix, non? C'est ce que moi j'ai dit, que j'ai parlé là aujourd'hui seulement parce qu'il faut parler. C'est quelqu'un que j'avais dit depuis que je ne peux pas perdre mon temps avec elle. Tout est mélangé. Vraiment. Yeah.
Je sais, tata, je sais. Je sais. Je connais toutes les origines de ma mère. Je l'ai, justement, je l'ai dit souvent ça. Je l'ai dit souvent ça. Mais je ne viens pas me vanter. Moi, je ne viens pas me vanter. Pourtant, je viens d'une famille très noble. Hein? Je ne viens pas me vanter. La seule chose que je me vante souvent, c'est pour leur dire que moi, je n'ai pas Bosa. Je suis venue en avion. J'ai mes tantes qui ont plus de 50 ans d'Europe. Toutes sont des Françaises. Je leur dis souvent ça. Alors, donc le seul jour qu'elle s'est lavée, elle a porté un caleçon noir, elle est venue commencer à clasher Flore. Parce qu'elle voulait se faire voir. Cette fille, je ne l'ai jamais rien fait. Je l'ai soutenue ici, comme j'ai toujours soutenu certaines personnes. Et elle s'est retournée contre moi comme ça du jour au lendemain. Ben oui, c'est pour ça que moi j'ai toujours respecté Tata Aline. Hein. Moi j'ai toujours respecté Tata Aline parce que moi je sais que Tata Aline, on va beau se mélanger sur Facebook, mais Tata Aline n'est pas de notre classe. Non, c'est seulement ce qu'elle a eu, l'accident qu'elle a eu sur les réseaux sociaux là qui ont fait en sorte que Tata Aline la méprise. Mais Tata Aline, moi j'ai jamais manqué de respect à Tata Aline, moi. J'ai toujours respecté Tata Aline. Moi j'ai pas l'éducation de ces filles-là. Hein? Je leur ai souvent dit ça. La dernière fois ici, là, que c'était, tout le monde était tombé sur moi. Les Germains, tout le monde, ils m'ont appelé. Hein? Là, ils étaient elles voulaient sortir de leur gang pour dire que, hey, ils sont là, ils parlaient de toi. J'attends, on attend seulement que quelqu'un vienne te toucher. Ils peuvent parler comme ils parlent sur les réseaux sociaux. Je leur ai dit que j'ai une grosse famille en France. Tu vas la trouver où? Oui. Je vais retourner sur le lieu du crime. T'es clair, hein? Merde. Je les vois, ils sont allés parler, mais ils sont amis, même il y a même d'autres là qui me clashent, qui sont amis avec Téclair. Mais ils ne savent pas que Téclair, c'est ma soeur de sang. Chacun respecte son couloir. Elle est faite dans la politique, moi je ne fais pas dans la politique. Mais si je tombe là, c'est elle. Merde. Merde. Oui. Si. La même si. Que celui que Susanna a perdu. Elle est plus ici. Je te l'ai dit, je n'ai pas inventé cela. Avec tes beaux mains en évidence. Non, qu'ils arrêtent un peu. Moi, j'avais dit que je ne répondais plus à celle-là. J'avais dit que je ne peux pas la répondre. Même. Elle m'a clashé plusieurs fois et je n'ai pas répondu. Elise Batanga. C'est toi le propriétaire? C'est mon entreprise. Mais deux. Le problème, c'est qu'ils se disent que quand on reste tranquille, c'est comme si on a peur, quoi. On n'a pas peur. C'est parce qu'il y a des moments qu'on dit que bon, on n'est pas à ce niveau-là. On ne veut pas se mélanger, c'est tout. Nia, je suis. Stam s'en bon, mais tapé d'eau. Mais où la nia? Voilà le truc que Stam s'en vend que je bois. Voilà ça ici que je bois. Ça se vide même déjà. J'ai encore d'autres là-bas dedans. Personne là ne peut.
Je leur ai dit que je ne viens pas d'une famille pauvre. Hein. C'est moi qui veux être sur les réseaux. Je suis la seule sur les réseaux. Aucun membre de ma famille est sur les réseaux. Pourtant, nous sommes nombreux. Aucun membre de ma famille est sur les réseaux. C'est moi seule qui suis sur les réseaux. Mais le problème, c'est que Banque Alès, c'est le game. Mais t'as même un game ni mourra. Personne n'est mon ami là sur les réseaux. Je ne fais aucun game avec personne. Donc si je ne vous titille pas, ne me titillez pas. Quoi, c'est cadeau? Bon sang. Annie. Quelle minute? Nienou, Mbongo Inji. Même si Mbongo Inji. Elle avait insulté ta soeur ici sur les réseaux. Hein. Je crois qu'on devrait prendre son portable. Pour l'avenir. Peut-être que si on lui confisque, elle comprendra que ce qu'elle a fait est grave et qu'on ne rigole pas avec ce genre d'attitude. Nienou. Tu peux mettre de côté son ressentiment envers moi depuis notre divorce et aussi envers Susanna. C'est uniquement de notre fille. Elle est mythomane et ça ne fait qu'empirer. Ce qu'elle affirme, c'est de la calomnie. Si j'avais fait ça à une personne qui n'est pas de la famille, elle sera traînée en justice. J'essaie d'éviter. Oui, non, après là, je vais passer à autre chose. Je suis plus sur elle. C'est parce que ça m'a fait mal. Le problème, c'est qu'ils sont, ils oublient très vite sur les réseaux. Ils oublient très vite. Moi, je peux pas. Non, par moment, il faut répondre. Il y a des moments où il faut répondre. Il ne faut pas toujours rester faire comme si. C'est bien beau, je reste tranquille, mais il y a des moments où il faut dire stop. Elle ne prononce pas mon nom. Elle ne prononce pas le nom de Jean Lumessan et sa femme. Parce que eux, ils ne la connaissent même pas. Sur un chantier, tu crois, t'en connais beaucoup des ouvriers du bâtiment qui portent des faisons. Et en plus, j'étais avec elle le jour où on l'a posé et c'est la même couleur. C'est un détective privé d'après son sexe. Comme lui, je suis allée suivre Susanna. D'accord. Je vais me renseigner. Je l'ai déjà fait. C'est son bureau. Excusez-moi, je m'attends. Tu veux me laisser seule dans la voiture? Dans un quartier pareil? Ok, viens avec moi. Bienvenue chez Campier d'Investigation. Ah, laissez-moi deviner. Vous croyez que votre mari a une liaison? Non, en fait, on vient vous voir pour autre chose. On est à la recherche de Randy McNab. Ah, et bien comme ça, on est deux trésors, il n'est pas venu de la semaine. Aucune idée de l'endroit où on peut le trouver? Non. J'ai vérifié tous ses points de chute, il n'est pas mis au téléphone ni au SMS. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Samedi dernier. C'est la nuit où je l'ai fait avec Susanna. Vous savez où il est? On croit qu'il enquête sur quelqu'un qu'on connaît. Susanna Williams. Ou Lancaster, c'est son nom de jeune fille. Ouais, non. Pas de Susanna, je suis désolée. Vous pourriez vérifier dans vos dossiers. J'adorerais vous aider, malheureusement, on nous a cambriolé il y a quelques jours. On nous a complètement retourné le bureau. Le matériel informatique a été détruit et plusieurs dossiers ont été volés. Mais il a eu lieu quand, juste... Celle-là qu'on appelle Mbombo Indi, les mitoums sortaient dans ses fesses. Les mitoums. Les mitoums. Donc c'était juste à Anoum. Anoum. Ils n'ont même pas cassé la... Allez, ma Indi. Une chose qu'il va falloir que je règle. Mais elle me. En fait. Elle est. Je suis son idole. Je suis son idole. Elle m'adore. Elle me dolâtre. Si elle pouvait faire que chaque chose que j'ai, elle peut aussi chercher. Elle est partie. J'ai mon sac. J'ai un sac Gucci ici là. Elle est partie acheter.
la contrefaçon, alors il y a contrefaçon et contrefaçon, mais elle est partie prendre une mauvaise contrefaçon, alors que tu as dit si le soleil brûle, là, ça va se brûler. Parce qu'elle veut faire comme compresseur. Ngombongo Indi. Vous connaissez pas Susanna, mais... Tout le monde est grand-mère sur Facebook, non? Eux, ils sont les jeunes filles. Tout le monde, là, ils sont les jeunes filles. J'y vais, maman. Tu ne devrais pas retourner chez ton père tant qu'on n'est pas fixé. Il faudrait lui expliquer pourquoi je reviens pas et croire que je délire. Je reste là-bas tant qu'on n'a pas de preuves. Peut-être que je trouverai quelque chose sur place. Ne mène pas ta propre enquête. C'est trop dangereux. Imagine si elle te surprend. Je serai prudente, c'est promis. Non, laisse-moi m'enquêter. On a plus de chances de la confondre si elle n'est pas... Le problème, c'est que ces filles-là qui m'insultent, même là, qu'est-ce qu'elles vont bien beau dire sur moi? Rien du tout. Rien. Elles ne me connaissent pas. D'accord. N'est-ce pas, il y a l'autre qui a dit cela que ta soeur ne travaille pas à Camtel, qu'elle elle balayait le sol de Camtel. On a rigolé, ça nous a fait... On a rigolé, non, tata? Tata, le problème, c'est que c'est pour donc dire qu'elles sont dans leur game. Moi, je ne suis pas dans leur game. C'est la réalité qui finit toujours par nous rattraper. Parce que comme le monsieur là, quand on dit le bosailleur, on dit que président aujourd'hui, hein, il dit qu'il a l'argent, mais ils ont escroqué l'argent. Moi, me voici ici là. Alors, eux, ils sont les enfants de tel, les enfants de tel. Moi, je suis l'enfant de personne, mais je suis venu en avion en France. Notre réalité nous rattrape. Mais elles sont venues en aventure. Elles sont venues par la route. Voilà. Bah oui, ce sont des migrantes qui sont un peu. C'est les migrantes de luxe. Parce qu'elles ont déjà les maisons et les dômes plus tard. Ouais. J'ai pris l'avion. C'est, on montre alors, c'est à l'heure là qu'on montre alors qui était l'enfant de qui. C'est comme ça. Ça nous rattrape. Et qu'avez-vous fait? D'accord. Ah, très drôle. Je voulais juste me rendre un peu utile. Je voulais aussi vous dire que j'étais désolée pour tout ce qui s'est passé dernièrement. Quand tu arrives dans ce pays-ci, je suppose que j'étais pas prête. En avion, celui qui est venu en mosaïen là doit te respecter. Le président des Beaux-Arts a pris la femme de quelqu'un, il n'a pas doté. Le jour que la fille là, il touche du bois, quelque chose lui arrive, on va l'envoyer. Elle est toujours mariée. Elle est toujours mariée officiellement par un autre homme. Hein, parce que le mariage ce n'est pas considéré. Le mariage avec celui-ci n'est pas considéré. Parce que l'autre a doté. Et nous, on considère la dot. C'est nul et sans effet. Il vient s'asseoir, il parle. Jusqu'à celle qu'on appelle Elise Batan, vient faire les comparaisons des mariages. Mais elle est stupide. Elle-même qui s'est mariée, si son mari était comment? On n'a que manger le porc. Elle a tué un porc. C'est vrai que le porc qu'on a mangé tout, dans tout le mariage. Toi aussi, tu veux mettre ta soeur pour faire les comparaisons des mariages? Et regarde la bassesse. L'argent des gens qu'on a volé partout pour venir faire le mariage. Toi aussi, tu veux venir faire les comparaisons des mariages? Tu es au niveau là, Elise Batan. Tu me déçois, hein? C'est elle est comme un Bongo Indi, non, c'est son ami. C'est sa copine. Un truc que j'ai perdu, mon eyeliner. Est-ce qu'elle prononce mon nom? FM, c'est direct, elle prononce mon nom. Tu m'appelles aujourd'hui compresseur. Tu as fini de m'appeler une gringa. Voilà. Il est sûrement dans la voiture de Jason ou Odyssey. Sûrement. Tu aurais dû me dire de regarder. Elle peut. Elle a essayé, elle a testé ici. Elle est venue mettre un caleçon noir là pour venir aussi se faire voir là. Elle ressemblait à quoi? Elle était comme le zombie. L'ombre. Qui? Je suis la plus belle fille là, parmi toutes ces filles-là. Pourquoi tu te vantes? Tu sais que ta mère est belle. Vous riez quoi? Est-ce que je suis pas belle? Tata, laisse finir le direct là, je te rappelle s'il te plaît. Tout à l'heure, merci tata. Bisous. De toutes ces blogueuses-là, je suis la plus belle. Je vous dis ça, Hora. Donc, Elise Batan, quand tu viens t'asseoir, tu prononces mon nom. Mais qu'est-ce que tu sais de ça? Je te demande un service aujourd'hui. Arrête de prononcer le nom de Jean-Louis Messant et de sa femme.
Sinon, comme je parle aujourd'hui là, je t'ai parlé aujourd'hui là. Tu parles encore de couple, mais sans. Moi, je veux parler de ton président de Beausailleur et de toi-même aussi. Toi et moi, on va entrer dans le game là. Comme tu dis que c'est le game. Mais moi, je ne suis pas dans le game. Moi, je suis rancunier. Moi, je ne suis pas dans le game. Parce qu'on n'est pas copine, on n'est pas camarade pour être dans le game avec toi. Jean-Louis Messant n'est pas le copain de ton mari. Sa femme non plus n'est pas ta copine. Donc, on n'est pas dans le game avec vous. Faites vos games dans votre sorcellerie là-bas. Là. Épargnez-nous dedans, on n'est pas avec vous. Sauf que nous, on n'a pas les mots méchants. On ne peut pas sortir les méchancetés comme les méchancetés qu'on a dit. C'est la femme de Jean-Louis Messant. Qu'elle était à un doigt d'accoucher. Vous croyez qu'elle peut oublier ça? Vous croyez qu'elle peut oublier tout ça? On peut faire ça à un être humain. Même l'autre ici là, toutes ces personnes que je viens toujours. Je sais pas comment j'ai la malchance. Chaque fois que moi je viens ici là pour faire la justice, que je vais intervenir pour quelqu'un, que je vois que cette personne, il a une injustice, cette personne se retourne contre moi. J'ai vu celle qu'on appelle Marthe ici là. Marthe est venue me clasher pour rien. Alors que moi, j'ai vu une injustice, une mère qui a un bébé. Le bébé n'a pas encore. Pardon. Un mois. Qu'on a déjà la clasher. Je viens de dire que c'est injuste. Qu'on la laisse, on me prend. Ça n'a pas fait même deux jours. Marthe est venue m'insulter. Oh, j'ai volé le mari de quelqu'un. C'est devenu comme si c'était devenu un débat. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste? Je suis venue ici, j'ai parlé à la petite Natacha. T'aurais dû m'en parler. Je sais, mais j'avais peur. Elle a dit que je n'ai pas le droit, que je la laisse, que nous on a fait notre temps. Je suis restée, je suis quittée derrière elle. Maintenant, de temps en temps, je lui lance ces petits pics. Bon, comme là maintenant aujourd'hui, je lui ai dit, Natacha, qu'est-ce que tu dis par rapport au président des Beausailleurs, que tu as fait la comparaison avec le président, avec mon grand frère Jean-Louis Messant. Élise Battante, toi, tu as fait la comparaison de mariage. Ton mariage à toi était comment? Ton mariage à toi, il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Si ce n'est pas les tatas Doudou qui venaient te soutenir un peu, il y avait combien de personnes? Celle que tu insultes aujourd'hui, rien que par reconnaissance même qu'elle est venue à ton mariage, tu pouvais me fermer les yeux, mais tu l'insultes matin, midi, soir, non? Tout ça toujours parce que tu veux la visibilité, pour qu'on dise que tu es une clasheuse. Tu n'es pas une clasheuse, tu ne seras jamais une clasheuse et tu ne seras jamais reconnue en tant qu'une blogueuse. Ça, je te le dis. Tu n'es fabriqué nulle part. Parce que si Flore voulait te fabriquer là, elle allait faire les directs, souvent elle parlait de toi. Tu n'existes pas pour elle. Si tu l'aimes trop, va lui envoyer quelque chose au pays. Si tu l'aimes trop. D'accord? Tu veux faire les comparaisons de mariage. Toi-même, ton mariage était comment avant de faire les comparaisons? Pourquoi tu veux les comparer le mariage des gens? Fais la comparaison avec ton mariage toi-même. Ton mariage était comment? Il y a combien de personnes à ton mariage? Le jour de ton mariage, on t'a fait des attouchements. Le jour de ton mariage, une femme t'a fait des attouchements. Alors que tu te maries avec un mec. Toi aussi, tu as envie de t'asseoir, parler aux gens. Mais. Ouf! Nom de Dieu. Mais la toile, c'est incroyable, quoi. Tu me fais sortir les veines en plein midi. C'est quoi ça? Mais fais chier, quoi. Je suis comme ma fille. Il y a des choses qui m'énervent. Je n'aime pas. Surtout comme les lions jaunes, je dis là, je ne devais pas être énervé. Ce n'est pas bon signe, ça, quand je m'énerve comme ça. Ce n'est pas du tout bon signe. Et je m'énerve même pour qui même? Pourquoi même? Le fait que votre fille ait vu sa belle-mère commettre un meurtre. D'après ce que j'ai compris, elle n'est pas très crédible. Ce n'est pas marché. Pas que tu as appris à mettre les phares? Que tu te permets aujourd'hui de venir insulter les nobles femmes? C'est vrai, je n'y crois pas. Je vais vous dire ce que je crois. Tu veux parler de la femme de mes sangs? Tu vaux cette femme-là? Est-ce que tu vaux cette femme-là? Tu es crade? Il est connu pour reprendre aux gens qui le traquent. C'est pour toi, quand on dit que tu es sale, c'est parce que tu es noir, c'est faux. Il y a des noirs bien entretenus. Je suis désolée. J'ai mes soeurs sont noires. Ma fille ici est noire, mais elle a un noir propre. Parce qu'ils prennent soin. Tu viens comparaître la femme de Jean-Louis Messant, tu la traites de prostituée. C'est tout le monde qui fait la prostitution pour vous. C'est la seule injure que vous avez. Mbongo Indi vient parler, vient traiter la femme de Messant de prostituée. Elle a fait la prostitution avec toi? Est-il les valises avec toi? Est-il les valises avec toi?
Vous voulez que tous les matins maintenant, pour vous montrer que nous, on n'est pas dans vos choses là, on fait les directs tous les matins qu'on est chez nous, pour vous montrer qu'on est chez nous? Mais nom de Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si on n'est pas parlé, si on ne parle pas, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de parler, parce qu'on n'a pas envie de se mélanger. Un moment, on dit stop. Avant, on était, dès que le torchon fait là-bas comme ça, là, nous aussi, on répond ici. Mais non, il y a des gens quand même qu'il faut, savoir s'en passer, dire qu'on ne répond pas. C'est pas parce qu'on a peur. C'est parce qu'on voit que vous n'en valez pas la peine. Tu m'as insulté ici, moi personnellement, tu m'as insulté pendant combien de temps? Je t'ai répondu. Et si je t'ai calculé? Jamais. Je t'ai pas calculé. Sache alors que quand tu pars insulter les gens, ce n'est pas par rapport à Flore. Ce n'est pas au compte de Flore. Tu as compris? Ce n'est pas au compte de Flore. Quand tu étais venu m'insulter, tu venais m'insulter que tu m'insultais par rapport à Flore, non? Mais aujourd'hui, tu es où? Je ne suis pas avec Flore. Je ne suis pas avec Flore. Hein? Tu n'as pas honte alors maintenant? Tu n'as pas honte? Si toi, tu pars commander, tu es une suiveuse. Quand je parle avec Flore, on parle business. On parle travail. D'accord? On ne parle même pas trop les histoires des réseaux sociaux. On parle travail. On parle des projets. Comment celle-là? Mariage d'un président. Un président voleur? C'est normal? Un président voleur, il est obligé de faire le tapage. Il a mis les gens dans les problèmes. Les deux policiers qui payaient. On paye combien un policier au Cameroun pour qu'il te fasse une heure ou deux heures? Tu peux payer des services. Tu peux payer les services de la police ou de la gendarmerie. Tu dis que tu veux te faire escorter. Tu payes. Et on t'escorte. Alors il a mis les deux policiers qui venaient manger derrière lui là. Il les a mis dans les problèmes. Ces petits machins qui veulent se faire voir là. Voilà, on demande 11 000 euros. Vous avez donné 3 000. Donnez le reste. Tu es un voleur. Vous êtes des voleurs. Oui, j'ai dit. Allez me porter plainte. On est des voleurs. Vous avez entendu que mon président de Montchenga a abusé quelqu'un? Vous avez entendu que quelqu'un lui demande quelque chose? Qui? On dit alors qu'il paraît que tu n'as pas pu boire le champagne au 18e, dans le 17e. Ils se moquent derrière de toi là-bas. Là. Ils sont nés en train de se moquer de toi. Que président, fou mamie. Que depuis là, tu n'es plus allé boire le champagne. Le crédit, ça va payer tes dettes que tu as laissées là-bas. Ça vient nous trouver. Vous avez entendu que quand Jean-Louis ne me sent pas à Paris, là, il demande le crédit. Il demande le crédit du champagne. Hein? Vous l'avez entendu qu'il a demandé le crédit. Ça m'énerve, même mon grand frère, tu le sens à Paris ce week-end, si on peut même enjoy. Hé, tu n'es pas là. Hé, maman, je suis en prison. Ouais, Marie, oui. L'enfant, s'il avait accouché avec sa soeur, maintenant on me jette bien ici. Oh. On m'abandonne, je suis à la maison comme une prisonnière. Il ne nous respecte pas. Ça fait une heure, hein. Oui, ma fille. Allô? Oui, mon bébé, comment tu vas? Je suis fâchée, je ne devais pas me fâcher aujourd'hui, je te jure. Tu te rappelles que toi et moi, on avait parlé d'affaires ici, que je ne dois pas répondre à celle-là, non? Je t'ai dit que non, on ne va pas remettre. On ne va pas répondre à celle-là. Mais elle va loin. J'ai appelé Flore hier, j'ai dit à Flore que voilà ta chose là qui est en train d'insulter le couple, mais sans là-bas qu'elle est en train d'intervenir pour le beau ailleurs. Flore avait les mains sur la tête. Tu me connais comment je suis gâtée, non? Je mélange tout et je suis très énervée. Je suis très énervée. J'avais un direct de trahison que Mbomboko aussi a fait la trahison. Quand elle vient insulter que les musiciens de Bikuti, elle a trahi avec le maire au Cameroun. Il y a le Japap. Je ne peux pas mélanger ça ici. Non, ça, moi, je suis très énervée là. Je suis énervée. Vous dites la vérité. Le matin, vous êtes plutôt. Allez, c'est parti. Oh non, encore 5 minutes. C'est bon, je me lève. Couche pas, chérie. Que vous soyez du matin ou pas, une journée vraiment réussie passe d'abord par une bonne nuit de sommeil. C'est pourquoi chez Emma. Mais Flore va faire la paix avec tout le monde. Quand on fait la paix, tu te sens toi-même en santé et en forme. Mais tu dors, tu ne fais pas des cauchemars. Retrouvez tous nos produits multi-récompensés sur Emma.fr. Emma. Donc faire la paix avec quelqu'un veut dire que tu es sa meilleure copine au monde. Flore fait la paix. Elle est arrivée quand?
Mais elle, elle est arrivée quand? Elle est arrivée quand qu'elle veut venir dicter avec qui Flo va parler, avec qui Flo ne va pas parler. Elle est arrivée quand, cette petite bouffonne-là? Elle est arrivée quand dans la vie de Flo? Hey! Elle m'a trop énervée aujourd'hui. En plus, les lions jouent aujourd'hui. Je ne devais pas être énervée comme ça. Ce matin, quand mon gars partait au travail, m'a laissé, j'étais très joyeuse. Rayonnante, contente. Maintenant, il va revenir. Il me voit étant énervée à cause des bêtises de Facebook. À cause d'une femme qui n'aime pas de valeur. C'est quoi ça? C'est une box avec 5 nouveaux produits de beauté chaque mois. Et toute une sélection de soins, parfums et maquillage au meilleur prix. Blessime, déjà plus de 200 000 abonnés. Et vous? Si tu es comme Gagou, elle va te taper parce que Gagou fait déjà trop de bêtises. Elle nous dérange ici à la maison jusqu'à. Ah! Non, ça m'énerve. Ça m'énerve, mais gravement. Déjà, j'ai d'abord une colère que j'avais d'abord déjà. Donc, je prends la colère là-dedans, mieux, je vais verser ça comme ça, comme je verser ça là. Ma colère d'abord là. Trop la colère là-bas. Ça me pionce jusqu'à. Ah. Là, c'est la petite soeur de ma mère qui m'a appelée là tout à l'heure. Elle dit qu'elle rigole quand elle entend qu'on m'insulte là-bas. Là. Elle connaît dans quelle famille je viens. Je ne suis pas là. Moi, je ne vis pas par rapport à ma famille. Que je vais venir dire que mon oncle était, mon grand-père était, ma tante est. Non. Non, je suis moi, Maléba Perpétue. Je ne suis pas là pour venir me vanter par rapport à ma famille. Je ne me vante pas par rapport à ma famille, mais je viens d'une famille noble. Toute ma famille sont des Français. Mon grand-père était un Français. Donc si les descendants de ma famille veulent les papiers, on va les donner par rapport à mon grand-père qui était un ancien combattant. Donc quand vous venez souvent parler sur la toile, vous parlez parce que les gens ne veulent pas aussi parler. Non, je n'ai pas besoin de tout ça. Elle a porté le gros caleçon noir ici, là, elle est venue qu'elle insulte. Elle insulte déjà Flo. Parce que j'avais partagé son truc, elle croyait qu'elle est mon amie. Je dis, je ne suis pas ton amie, moi. Tu peux même me payer parce que j'avais fait ta pub. Tu me dois même. On me paye pour faire la pub, là. Je vais la laisser comme ça pour aujourd'hui. J'ai dit, bonne journée, Longo. J'ai dit que chaque fois qu'elle va parler de mon grand frère, Sang et sa femme, moi, je veux parler de toi et le président des Beaux Ailleurs. C'est ça, parce que si aujourd'hui vous vous permettez de venir parler de mon grand frère, c'est parce qu'il a parlé aux Beaux Ailleurs. Alors, si vous venez venger le Beaux Ailleurs, je ferai aussi mes sorties par rapport à mon grand frère. Ça, c'est le message que vous faites passer aujourd'hui. C'est ça qui est ça. Et quand je pense encore que ma belle-sœur a failli laisser sa vie ou la vie de ses enfants sur la table à un doigt d'accouchement. Vous venez aujourd'hui dire que on n'a pas pitié. Vous avez pitié quand vous prenez l'argent des gens pour manger. Si vous n'avez pas abusé les gens, que vous avez bouffé leur argent, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. Bande d'escrocs là. Vous avez entendu que mes sangs a escroqué quelqu'un sur la toile? Mais mon bébé, sa main. Ma larawane au Yangama non, ma yigwa voice non. Yangama c'est urgent. Après je dirais là, Yangama. Soumouna au Yangama, c'est urgent. Lanko ma yigwa voice non au Yangama. Merde. Nom de Dieu là. Quand c'est pour vous, on doit respecter. Oh, tu as vu le Léon Tsar, les complexés. Aïe, le complexe de ça, maman. Aïe, tu as eu le mariage du président. Le mariage du président. Oui, ma fille. Ok, ok, je coupe. D'accord. Ok. Je coupe alors, je coupe. Je coupe, hein. Comment? Tu m'as préparé. Et bientôt, je vais chercher la petite dame là. Je dis, c'est ça. Maintenant, manque de respect à mon grand frère.
Je manque de respect à ton président. C'est ça qui est ça, c'est comme ça. En bon entendeur.